L'UniRM, c'est un équipement qui nous permet de réaliser des examens d'imagerie médicale, qui s'appuie sur le phénomène de résonance nucléaire et qui nous permet d'obtenir des images de très haute précision, notamment sur les tissus mous, ce que ne vont pas nous permettre en fait d'autres techniques d'imagerie médicale plus habituelles et utilisées plus en routine en médecine vétérinaire. L'équipement d'IRM viendra compléter ce plateau technique qui devient maintenant un plateau technique complet par rapport à ce qui est proposé en médecine vétérinaire pour les animaux de compagnie en France. Majoritairement, on utilise l'IRM pour explorer des pathologies neurologiques, puisque c'est l'examen privilégié pour explorer des tissus tels que la moelle épinière ou l'encéphale, par exemple. Donc majoritairement, on va l'utiliser pour ce type d'indication neurologique. Très classiquement également, on va venir explorer les hernies discales à l'aide de cet examen. Et puis ensuite, on va pouvoir l'utiliser également, par exemple, en orthopédie pour explorer des pathologies articulaires, méniscales, tout ce qui va concerner en particulier l'exploration poussée des tissus mous. C'était particulièrement important et nécessaire puisque c'est un outil qui maintenant se démocratise en médecine vétérinaire. Et qui était donc quelque chose qui nous manquait là, ces dernières années au sein de notre plateau technique d'imagerie médicale. Ça marque très clairement le développement et la croissance de l'hôpital des animaux de compagnie de l'ENVA et ça permet vraiment de compléter notre panel diagnostique qu'on peut proposer aux propriétaires qui se présentent avec des animaux au sein de l'hôpital, que ce soit des chiens, des chats, mais aussi des nouveaux animaux de compagnie, puisque c'est aussi un examen qui est très utile et intéressant dans ces espèces.